Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Frères et sœurs, nous allons à présent présenter au Seigneur les intentions de la messe. Commençons à prier pour tous les vivants. Action de grâce au Seigneur pour tout ce qui est fait demandé par une enfant de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Aussi Marie-Hollande rend grâce au Seigneur pour elle-même et ses enfants, pour tous ses bienfaits. La famille Vinin rend grâce au Seigneur pour Vinin, Leslie, Carmen. Constance Yapo rend grâce au Seigneur à l'occasion de son anniversaire de naissance. Yvette Fauquier rend grâce au Seigneur pour la grâce de la santé, de l'âme et du corps. Et pour le ministère, l'œuvre de Marie-Mère de la Charité. Par l'intercession de Marie-Mère de la Charité chrétienne et de Saint-Michel-Archange, Henriette Nanou rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. La famille Dion rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits et pour le repos en Dieu de Parrain d'Henri Odette. Et voix demande assistance et protection par l'intercession de Marie-Mère de la Charité chrétienne pour Agnès et Bois tout au long de sa grossesse. Constance Yapo demande assistance et protection pour elle-même, ses enfants et toute sa famille. Makeya Dion demande assistance et protection au Seigneur par l'intercession de Marie-Mère de la Charité chrétienne pour tous les membres de la famille Dion. Elle demande l'unité au sein de la famille paternelle et maternelle. Nous aurons une pensée pieuse pour tous nos défunts, en particulier pour le repos de l'âme des défunts de la famille Otesso. Des défunts du Minader, des défunts du monde entier, des défunts du Murat, demandés par une enfant de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Pour le repos de l'âme, le Conon Anatole, Yassé Blé Richard, Ouattara Barthélémy, Conon Émile Madeleine. Voici Union Félicité, épouse Tipi, prie pour le repos de l'âme de Blanche Tunassi. Repos en Dieu de Meillet Hortense. Tous les ancêtres, voici Agia, Tipi, toutes les âmes du purgatoire, tous les bébés avortés, tous les enfants morts et ceux morts sans la grâce du baptême. Prions les uns. Les autres.
quelques recommandations de notre mère Marie-Mère de la Charité chrétienne pour la messe dans son oratoire. Merci, frères et sœurs, de bien vouloir vérifier que vos cellulaires sont sur le mode silence ou qu'ils sont fermés. Nous nous mettrons tous à genoux pour la récitation du « Je confesse à Dieu » jusqu'à la fin du Kyrie. Après le Kyrie, se mettre debout en même temps que le prêtre. La communion à l'oratoire de Marie-Mère de la Charité chrétienne se prend directement dans la bouche. Après la prise de la communion, s'incliner devant l'autel pour remercier Marie-Mère de la Charité chrétienne pour cette grâce qu'elle nous a obtenue de son Fils et regagner sa place dans le recueillement. Levons-nous et accueillons le célébrant. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et vos esprits. Assemblée, chers familles, chers amis, grand-mère, c'est avec un cœur lourd que je prends la parole en cette bien triste circonstance qui nous réunit aujourd'hui. En effet, le Seigneur, dont la voix sont insondables, a jugé bon de rappeler à lui notre très cher Yassine Dion, Yass pour la plupart d'entre nous, Dion de Dion, pour moi particulièrement. Je commencerai cette adresse en remerciant chacun de vous pour sa présence dans cet ultime rassemblement avant son départ. C'est un moment difficile pour sa famille et ses amis, et encore à nous tous. À l'occasion de cet ultime hommage, je souhaitais prononcer quelques mots en sa mémoire, alors que nous nous sommes réunis une dernière fois pour elle, mais sans elle. Et cette alliance m'a été accordée, et pour cela, je remercie sa famille. Des exercices difficiles, d'abord du fait du lien très affectif qui nous unissait personnellement à Yass,
Donc aussi parce que parler d'elle pour si peu de minutes n'est pas chose aisée. Je vous prie donc, par avance, d'excuser quelques émotions dans ma voix pendant ce témoignage. Et c'était avant tout un monstre de belle humeur, toujours jovial, avenant. Il n'était pas possible de s'ennuyer ou d'être triste à certains sa présence. Sincère et loyale, elle faisait partie de ces gens-là qui prouvent que l'amitié peut tenir tout en nous toute une vie. La nôtre a duré 30 années. 30 ans qui ont transcendé la distance, les obligations familiales et professionnelles, ainsi que le temps. Nous avons toujours gardé ce lien spécial. Tout au long de ces années, elle ne manquait pas, elle manquait sa présence, elle marquait sa présence dans ma vie par son engagement, son dévouement. Elle fut ma confidente de toutes les situations et une conseillère bienveillante. Ceux qui l'ont pratiqué autant que moi reconnaîtront qu'elle a toujours bouleversé les codes, les habitudes par sa liberté d'esprit et de parole. Elle était imprévisible et totalement décomplexée à tout point de vue. Mais sa spontanéité et sa prévenance la rendaient finalement tellement attachante avec sa gaieté contagieuse, doublée d'une vivacité permanente. Quelles que soient les circonstances ou tous les défis, on pouvait compter sur elle. Elle avait un cœur en or et c'est une personne si pleine de vie que parler d'elle au passé est déjà une torture en soi. Son départ dans la fleur de l'âge aussi brutal qu'inattendu. Il plonge famille et amis dans une profonde tristesse. Nous ne pouvons que nous remettre à notre foi pour surmonter cette perte. Mon dernier échange avec elle, qui date seulement de 2 jours avant son rappel à notre Seigneur, restera la plus belle image que l'on peut garder de quelqu'un qu'on aime. Pour la petite histoire, un ami commun a eu un problème de santé assez grave. Il a sollicité Yas pour une aide. En toute discrétion, comme à son habitude, elle a donné suite à cette sollicitation. C'est cette amie en question qui, tellement touchée par ce geste, m'a appelé pour me l'expliquer et me demander de m'associer à lui pour lui dire merci. Ce que j'ai fait avec plaisir. On entend dire, mais ce n'est pas, ce n'est rien ça, ceci. Vous aussi. Ce n'est pas la peine de faire autant de cérémonial, c'est tout à fait normal de s'entraider entre amis. Et oui, c'était ça Yasmine, toujours prête à aider ses prochains. Voilà mon dernier souvenir d'elle, un beau souvenir que j'irai. Je prie le Seigneur qu'il apporte le réconfort à tous ceux qui sont éprouvés par sa disparition. Que nous trouvons tous prématurés avec nos cœurs d'homme. Mais le Seigneur sait mieux que nous. Une citation d'un célèbre chanteur enseigne de ne pas vivre pour que notre présence se remarque, mais pour que notre absence se ressente. Sacré Yas, on peut dire que tu auras bien réussi les deux. Aujourd'hui, la mort dans l'âme, nous te rendons ce dernier hommage à travers cette messe d'action des grâces au Seigneur. Sache qu'un peu de soi, un peu de toi brûlera toujours pour chacun de nous. Que la terre, que le Très-Haut t'accorde le repos des justes pour nous permettre de ne jamais oublier à Dieu, que la terre soit. Frères et sœurs en Christ, j'ai prié cette messe à l'honneur de la très sainte Vierge Marie, mère de la charité chrétienne, que notre sœur Yasmine Dion aimait si bien. Dans le credo, nous disons, je crois à la résurrection des morts. Et nous croyons que notre sœur ressuscitera avec le Christ. Elle nous a précédés pour nous préparer les places pour intercéder pour nous. Et nous prenons cette messe pour demander la miséricorde de Dieu à travers la très sainte Vierge Marie, médiatrice de toute grâce.
Elle qui a su intercéder pour les mariés aux noces de Cana. Elle intercède pour notre sœur aussi auprès de son fils. Et que le Seigneur puisse l'accorder une place auprès de lui. Et nous voulons, pour que toutes ces intentions puissent plaire à notre Seigneur, qui nous aime tous au début de cette célébration eucharistique, reconnaissons nos pécheurs et implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. À nous qui te servons, Seigneur Dieu, donne la joie d'avoir toujours la santé de l'esprit et du corps, et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, libère-nous des tristesses du temps présent et fais-nous goûter le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veillez-vous. Lecture du deuxième livre des Chroniques. Après la mort de Joab, les princes de Juda vinrent se prosterner devant le roi Joas, et alors le roi les écouta. Les gens abandonnèrent la maison du Seigneur, Dieu de leur père, pour servir les poteaux sacrés et les idoles. À cause de cette infidélité,
La colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Pour les ramener à lui, Dieu envoya chez eux des prophètes. Ceux-ci transmirent le message, mais personne ne les écouta. Dieu revêtit de son esprit Zacharie, le fils du prêtre Joël. Zacharie se présenta devant le peuple et lui dit, « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur? Cela fera votre malheur. Puisque vous avez abandonné le Seigneur vous abandonne. » Ils s'ameutèrent alors contre lui, et par commandement du roi, le lapidèrent sur le parvis de la maison du Seigneur. Le roi Joas, en faisant mourir Zacharie, fils de Joab, oubliait la fidélité que Joab lui avait témoignée. Zacharie s'était écrié en mourant, « Que le Seigneur le voie et qu'il fasse justice. » Or, à la fin de l'année, l'armée d'Aram monta contre le roi Joas et arriva en Juda et à Jérusalem. Ces hommes massacrèrent tous les princes du peuple et envoyèrent tout le butin au roi de Damas. L'armée d'Aram ne comptait qu'un petit nombre d'hommes. Et pourtant, le Seigneur leur livra une armée très importante, parce que les gens de Juda avaient abandonné le Seigneur, le Dieu de leur père. Et Joas reçut le châtiment qu'il méritait. Lorsque les Araméens partirent, le laissant dans de grandes souffrances, ses serviteurs complotèrent contre lui parce qu'il avait répandu le sang du fils du prêtre Joab et ils le tuèrent sur son lit. Il mourut et on l'ensevelit dans la cité de David, mais non pas dans le tombeau des rois. Parole du Seigneur. Oh,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à Dieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semailles, ni moissons. Ils n'avancent pas dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus que qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lits des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon, lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père céleste, c'est que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Après la lecture de cet évangile, cet évangile se passe en commentaire. Ça mérite une méditation. Que chacun prenne un pic et qu'il essaie de souligner les mots et les expressions qui le touchent. Et après, il va devant le Saint-Sacrement pour leur demander la grâce de pouvoir mettre ses paroles en application dans sa vie. Et je crois que notre sœur Yasmine avait bien compris ce message déjà. Dans le témoignage que notre frère a eu à faire tout de suite, ce que moi j'ai pu retenir de tout ce qu'il a dit, elle avait une vie charitable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la réponse à l'évangile. Ne gardez pas ça pour elle, elle cherchait le royaume de Dieu. En partageant avec les autres, en étant aimable. Et c'est ça la vie d'un chrétien. Et j'ai l'habitude de dire, on peut passer tout notre temps devant le Saint-Sacrement, réciter les nouvelles, faire des points, pourquoi je ne sais pas, jeûner trois fois par semaine. Mais si on parle de la charité, c'est une distraction. Hein? On perd notre temps. C'est une distraction. Au dernier jour, à la fin, tout ce que nous faisons là, le Seigneur ne nous dira pas combien de fois tu es dans la messe. Ou bien comment, c'est toi qui chantes, mais tu te donnes les retours. Ce qu'il va nous demander, c'est l'amour. Rappelons-nous, Matthieu 25, verset 31 à 46. J'étais malade, j'avais faim, j'étais nu. Et sur ça, il ne vous demandera pas combien de fois par jour.
Donc, ce qui est important dans notre débat, tout ce que nous faisons là, le résumé, c'est la charité. Donc, si nous venons chaque jour à la messe, on sort en graissant les dents, en insultant tout le monde, en étant avare, aigri, envieux, nous perdons notre temps à l'église ici. Nous venons. On dit, Marie, mère de la charité chrétienne. La charité chrétienne, là, c'est où? Nous mettons ça où maintenant? Ça nous occupe la première place dans notre vie de chrétien et de chrétien. Donc, c'est très important. Est-ce que vous me suivez? Donc, il ne faut pas. Si on vient, on est tout le temps dans notre cœur, là, c'est le feu qui est allumé contre les autres. On a un voisin qui fait des merveilles, qui avance, on cherche tous les moyens pour le noyer. Non, ce n'est pas chrétien. Il faut changer. Jésus n'est pas ça. On est d'accord? Donc, l'évangile, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous invite clairement à vivre le moment présent. Ça nous manque. Il y a des gens, ils passent leur temps à regretter leur beau temps, leur temps passé. Et moi, j'étais ceci, j'étais cela. On est là, on le sait, c'est le passé. Et on oublie même de vivre le présent. Donc, c'est ce à quoi l'évangile de ce jour nous invite. Donc, à vivre le moment présent. Ne pas ressasser le passé, mais s'abandonner à Dieu et à sa miséricorde. Ne pas se tourmenter pour le lendemain. Mais le confier à la providence divine. Sainte Thérèse de l'enfant Jésus affirmait. La seule chose qui me guide, c'est l'abandon. Je n'ai pas d'autre boussole. Le fait de se préoccuper n'a jamais résolu aucun problème. C'est ce que le Seigneur nous dit. Ça ne peut même pas ajouter même une minute à notre vie. Ça ne peut pas. Ce qui résout les problèmes, c'est la confiance, c'est la foi en Dieu qui nous a créés et qui nous aime. Jésus dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi. La vie en soi n'est pas c'est compliqué. C'est l'homme qui manque la foi et qui parfois complique la vie, sa vie et la vie des autres. L'existence n'est pas toujours facile. Pourquoi elle nous pèse? Souvent, nous nous sentons blessés et scandalisés par ce qui arrive dans notre vie ou dans la vie des autres. Mais affrontons tout cela avec de la foi. Et essayons de vivre jour après jour dans la confiance que Dieu remplira ses promesses. La foi nous conduira au salut. Et ailleurs, le Seigneur nous dit que même nos cheveux qui sont sur la tête sont comptés. Dieu ne va pas nous prier par amour et nous abandonner. Même les femmes qui parfois, elles sont surprises d'avoir la grossesse et n'abandonnent pas leur enfant. À plus forte raison, Dieu qui nous a créés par amour, qui nous aime, il nous sera nous abandonner. Ce qu'il attend de nous, c'est la confiance. La confiance. La confiance. Ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Aujourd'hui, tâche de vivre de manière juste. Selon la logique du royaume, dans la confiance, la simplicité, dans la recherche de Dieu, dans l'abandon, et Dieu s'occupera du reste. Si nous nous efforçons de vivre comme ça, le reste, la route est déjà, le coudron, il y a du maïs devant nous. Il n'y a pas d'adversaire. Donc, c'est ce que le Seigneur attend. Jour après jour, c'est très important. Ce qui nous épuise souvent, ce sont tous ces retours sur le passé et la peur de l'avenir, l'incertitude de l'avenir. Alors que lorsque nous vivons dans le moment présent, d'une manière mystérieuse, nous trouvons la force,
Ce que je dois vivre aujourd'hui, je le vis avec la grâce de Dieu. Si demain, je dois faire face à des situations plus difficiles, Dieu m'accordera plus de grâce. La grâce de Dieu est donnée à l'instant, jour après jour. Vivre le moment présent suppose accepter la faiblesse, renoncer à refaire le passé et à contrôler l'avenir, se contenter du présent. Et notre mère, mère de la charité chrétienne, la femme de l'espérance, quand elle a reçu l'annonciation, tout de suite, elle n'a pas cherché à savoir. Mais après, quand j'aurai mis au monde ton fils là, moi, il va devenir quoi? C'est ce que nous demandons, nous faisons souvent, quand on donne, quand on envoie un enfant, l'enfant se demande, mais si je vais faire ça, après, tu me donnes quoi? Et nous faisons ça à Dieu. Alors qu'on pense que, à part de, il fait ceci, Dieu doit me récompenser pour ça. Est-ce que vraiment, on a vraiment raison de réclamer ça de Dieu? La Vierge Marie a accepté, enfanté le Sauveur du monde. Elle n'a pas demandé à Dieu, mais si, moi ton fils là, moi, je deviens quoi? Puisque il était fiancé. Et mon mariage a approché là, ça va devenir quoi? Elle n'a pas demandé ça. Nous aimons souvent nous comporter comme ça. Laissez à la volonté de Dieu la confiance totale. Malgré qu'elle ne connaissait pas d'homme, elle dit bon, que ta volonté soit faite. Et nous savons tous que nous sommes chrétiens. Et au pied de la croix, le Seigneur a dit, oh, voici ta mère. Nous sommes devenus les fils de la très sainte Vierge Marie. C'est très important et tout chrétien doit vénération à cette dernière. C'est grâce à elle que nous avons le salut. Elle a collaboré au plan de Dieu. Et nous sommes tous invités à collaborer dans notre vie au plan que le Seigneur a pour nous. Parfois nous disons dans la prière de notre Père, donne-nous et que ta volonté soit faite. Voilà. Mais quand la volonté de Dieu veut se faire dans notre vie, on graisse les dents. C'est nous qui avons demandé ça dans la prière, ou bien? Oui. Donc, nous allons demander au Seigneur, à travers l'Eucharistie de ce jour, surtout par l'intercession de notre mère, Marie, mère de la charité chrétienne, elle qui dénoue les nœuds, que par son intercession, le Seigneur puisse accueillir notre sœur, notre amie, dans sa maison. Et de ce côté, de là-bas, qu'elle puisse intercéder pour nous, pour ses amis, ceux et celles qu'elle a aimés sur cette terre, qu'elle puisse intercéder pour eux. Un jour, que nous puissions nous retrouver ensemble au banquet préparé par le Christ. Et que l'Eucharistie nous obtienne cette grâce.
sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple quand il te présente ce sacrifice. Fais qu'à l'intercession de la bienheureuse Marie, mère de ton Fils, nulle attente ne soit déçue, nulle demande ne reste sans réponse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le bon notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Donc, au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père Saint, il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse nos joies de nos voix pour chanter et proclamer. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. » De la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce
car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Père François, notre administrateur apostolique Jean-Pierre, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Ils se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, ceux pour qui nous prions dans cette Eucharistie, en particulier Yasmine. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté pour toutes les intentions de cette célébration, pour les parents et amis de notre sœur Dion Yasmine. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous soyons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais juste une parole
Prions encore le Seigneur. En communion au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Rends-nous capables de nous mettre à son imitation au service du mystère de notre rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Et vous asseoir. Bonsoir, chers fils. Je suis Dion Marina, la petite sœur de Maria Dieu. Mangez nos dions et le feu de la sécurité. Ça a été un cours du cours d'après le décès de ma petite sœur, le 19 mai 2014. Et je demande à Dieu qu'il pardonne ses péchés et qu'il accepte nos affinités célestes. Je tiens à dire merci à toutes ces personnes qui ont effectué le déplacement de long de près, de venir ici pour venir prier pour le groupe de son ami. Je voudrais qu'on chante pour ces sommes la chanson qu'elle chante avant de nous.
si bien, Yahweh a libéré notre sœur. Amen. Elle est déjà auprès de lui. J'invite le papa qui va garder un mois pour les bénédictions. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Marie fait la charité. Et puis, je voulais profiter aussi, je sais que dans ce temps avec les réseaux sociaux, les frères de France sont à l'écoute. Je voulais profiter pour leur dire sincèrement merci. Parce que sans eux, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, Yasmine ne serait pas encore en télé. Donc vraiment, je leur suis reconnaissant et que leur nous invitons la famille Yasmine et les amis, tout ça, de venir devant pour recevoir la bénédiction. Mon ami qui a pris la parole, je vais te voir dans les... Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, notre vie est fragile et toujours menacée par la mort. Tu es vivant à jamais et ton amour est inépuisable. Que ton Esprit Saint nous conduise tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté. Qu'il accorde en ce jour aux membres de la famille de Kion Yasmine que tu as rappelé auprès de toi une foi solide, une espérance ferme et un amour véritable. Ainsi, nous serons vraiment tes enfants dans la communion de ton Église et nous parviendrons à ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Oh, my soul, Savior.
distribution de l'eau et des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Tu es béni, Seigneur. Toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre, les purifie. Tu as voulu aussi par l'eau du baptême nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle à nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets qu'ils te présentent, fais qu'ils recherchent en les diffusant, à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Marie, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à tous, Jésus.